Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bien le bonjour chez vous et surtout bienvenue dans Faa Faa, la seule émission en Côte d'Ivoire où on casse tous les papots sans état d'âme. Oui, nous avons une invitée, elle fait partie du game, du rap ivoire. Elle est belle, elle est intelligente. Récemment, elle a été très malade et on a décidé de l'inviter dans cette émission afin de prendre de ses nouvelles et surtout parler de son actualité. Oprah est l'invitée de Faa. Bonjour Oprah. Bonjour. Bienvenue à Ivoire TV Musique dans Faa Faa. Merci beaucoup. Mets-toi à tes aises, hein. Sois pas stressée, on va faire une belle émission, d'accord? Ça va, nickel. Ok. Bon, ben, on va se présenter. Moi, c'est Chola. Enchantée. Voilà. Je connaissais. Merci. Serge Défalé qui ne mousse plus. Ouais, les gens, voilà. Mais je connaissais aussi. Bon, enfin, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler, voilà, c'est le vieux de la vieille. Ouais, mais bon, c'est voilà. Toujours un plaisir de retrouver nos invités. Là, tu vois, Chola, en fait, les lunettes de Oprah, je ne sais pas, c'est un rétro-éclairage renversé ou bien, je ne sais pas, ça me fatigue. Ça me fait penser à pour congélateur, elle est un peu, hein, quand même. Hey, congélateur. C'est une remarque. Il ne faut pas congeler les lunettes de la finale. Non, mais quand même. Ah, alors, Défalé te demande ta paire de lunettes. Oui, non, c'est un cadeau de ma grand-mère. Mamie. Ah, mamie en tout. Oui. Mamie en tout, sans chercher les lunettes comme ça pour venir t'envoyer. Oui. Elle est où? Maman, elle est en France. Ah, ah bah, encore bah, en France, parce que aussi, c'est la grand-mère du village avant là. C'est les gardes français, elle va te sortir. Attention. Alors, bien sûr, là, quand on parle de Oprah, on fait allusion à quoi? Parce qu'on connaît Oprah Winfrey, l'animatrice célèbre américaine. Tu tires ton nom d'elle ou bien d'où tu sors le nom? Bah, comme j'ai dit, ma mère est une fan de Oprah Winfrey. D'accord. Donc, okay. Elle et mon père, ils ont convenu que ce soit mon prénom dès ma naissance. Donc, ils m'ont appelé Oprah. Mais ça, c'est un grand nom. Hein. On ouais. Espère que tu auras la dimension aussi de cette dame. Ah, on espère. On espère. Ah, moi, je veux savoir, on va commencer par le début. Hein. Parle-nous de ton enfance. Tu as grandi où? T'es né où? Ton cursus scolaire? Pour que les téléspectateurs hein, en sachent un peu plus sur toi. D'accord. Bah, je suis né ici, en Côte d'Ivoire. À Abidjan, j'ai grandi aussi ici. Voilà, j'ai fait Riviera, Faya, j'ai fait Rosier 4e programme, j'ai fait La Palmeraie, j'ai fait. Bon, là je suis à la Riviera 3. À la 3. Ah, j'aime okay. Bien ce secteur apparemment. C'est une histoire d'habitude, à un moment, tu sais. Ah, bon, enfin, moi je suis plutôt du côté d'Hongrie. Enfin. Ouais, ah, c'est vrai, j'ai fait Hongrie aussi. Oprah, tu as fait pratiquement tous les quartiers de la Riviera Palmeraie, Faya et tout ça, d'accord. Et où est-ce que tu as fait tes études? J'ai fait mes études ici. Où? À UKO, UKO, à UIBA, d'accord. Et à UIPA. D'accord. Mais donc, on dit que Oprah, c'est une enfant de riche, comme on le dit une fille à papa. C'est vrai ou c'est faux? Oprah, c'est l'enfant de deux personnes qui sont très débrouillardes dans la vie, qui se sont jamais laissées abattre. C'est l'enfant de deux guerriers. Oprah, tu n'as pas répondu à ma question. Arrête-moi ça. On dit, tes parents ont l'argent, c'est vrai ou c'est faux? Faut répondre oui ou non. Mes parents ont toujours été protecteurs avec moi. Ils se sont toujours battus pour que j'aie l'éducation qu'ils voulaient que j'aie. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle avoir de l'argent. D'accord. Mais en tout cas, mes parents faisaient tout pour que je sois un enfant épanoui. Mais dans cette éducation que tes parents ont toujours voulu te donner, d'être un enfant épanoui, ça ne les dérange pas de te retrouver aujourd'hui, de te voir dans le rap ivoire et tout ça? Est-ce que c'est l'avenir qu'ils auraient voulu pour toi? Je ne sais pas. Déjà, d'ores et déjà, je ne pense pas. Mais ma mère est mon producteur et aussi mon manager général. Ah, ta maman? Oui, ma mère, c'est mon producteur et mon manager général. Attends, il a décroisé mes pieds. On dirait que la vieille mère dans le game, hein? J'ai aimé. Allons-y, au frère. Maintenant, le père, qu'est-ce qu'il en pense? Bah, mon père, c'était vraiment, il n'était pas très d'accord. Là, c'est ça. Au vu de mes résultats scolaires, lui, il aurait vraiment souhaité sa fille sous d'autres cieux, dans d'autres. Dans mais quand tu dis au vu de tes résultats scolaires, ça veut dire quoi? Tu avais des très bonnes notes, tu es vraiment côté scolaire. J'ai fait l'Institut de génie de Surdoué d'Abidjan. Ah ouais? Ah, donc, quand même, hein? Bon, enfin. Donc, pour lui, c'était vraiment l'école. Oui, parce qu'il s'est dit qu'avec ce truc-là, comment est-ce que tu le mets au service du rap?
Oui, il était un peu déçu, mais je pense qu'au fil des années, j'arrive à calmer, à convaincre. Je pense que maintenant, il a des collègues qui me connaissent. Maintenant, il dit ah, « c'est ta ma fille » et tout ouais, ça, voilà. Ah, ils sont comme ça, le papa, au début, ils ne veulent pas. Après, ouais, c'est ma fille. La fille ira bien auprès de lui. Oui, c'est la mienne, donc, c'est elle, elle est à moi. Une fois, il était en mission au Tchad et tout ça, il a vu mon clip et tout. Il m'a appelé avec ses collègues. Je pense que petit à petit, j'arrive à convaincre papa. Tu vois, le vieux prend les poings et les gens. C'est des actes exagérés où il y a le poing. Ouais, ton vieux est fort. T'as vu, là, il y a un poing. C'est pas vrai. En fait, il était ses collègues. Et puis, tu vois, il voit le clip de la fille. Et puis, il prend son téléphone en disant bah, écoute, je viens de voir ton clip là. Je pense que c'est sa fille. Oh, il aimait le vieux. Respect, papa, tu es trop fort. Et non, papa, il a. Il dit boucan, c'est boucan. Il avait un surnom là, on l'appelait Pacha Pacha. Ah, quoi, mais c'est pas. C'est un moment du coupé, c'est pas. Non, en tout cas. Il est en sagacité à l'époque. Il y a sensi. En tout cas, son surnom, Pacha Pacha, c'est pas où il a. Il avait vu là. S'il était derrière mon moment. Parce qu'il y a les Pacha et puis deux fois Pacha. Pacha Pacha. On dirait le vieux avec lui. Mais nous, il nous montre pas ça. Non, mais c'est clair. C'est normal. Tu peux pas lui parler de ça, tu vas faire ça comment? Alors, aujourd'hui, hein, on va dire que tu es l'une des figures de pro du côté rap et voix féminin. Oui, c'est gentil. Bon, comment tu vis ça et comment ça se passe avec tes autres collègues dans ce même domaine? Est-ce que vous avez des bons rapports? Mais déjà, il faut que Oprah nous dise comment il est rentré dans ce game-là, en fait. Bah, oui, qu'est-ce qu'il a attiré finalement dedans? C'est vrai que qu'est-ce qui t'a inspiré? Vraiment, c'est dans rap et voix. Vraiment, c'est les sections d'assaut. Le rap, c'est l'exception d'assaut. Okay. Mais la musique, en général, j'aime trop Arafat. D'accord. Il faut qu'on dise tout. Elle a fait un choix. À 450%. Bah, voilà. Mais si tu aimais Arafat, pourquoi tu n'as pas fait le coupé décalé? Oui, je les sens coupés. Même dans mon rap, là, je fais les Ibi le Bo, Manakota la Kamambe, Bale, qu'il est ma chérie, mais elle veut Gucci. Le fan de Bordeaux m'a appelé, dit ma petite quitte la balle. Il est énorme. Il dit quitte là-bas. Ah, il y a ça aussi. Non, mais après, le coupé décalé est devenu comme une empreinte. Base, ouais, tu vois, que les Ivoiriens ont. Mm-hmm. Quand tu voyages et que tu es Ivoirien, il faut que tu mettes un peu d'atalakou, il faut c'est que clair. Tu mettes un peu de quelque chose pour dire que moi, je suis Ivoirienne. Un peu de rythme décalé. Forcément. Il faut qu'on sente ça chez toi, même dans le rap. Donc finalement, c'est le groupe Section d'Assaut qui t'a inspiré à devenir une rappeuse. Oui. C'est ça. Et dans le groupe, qui est celui qui vraiment, véritablement, est ton idole, quoi? C'est Mel Gibbs. Ah, Gibbs? D'accord. C'est comme ça que tu débarques dans le rap ivoire, parce que tu es fan de Section d'Assaut, plus précisément de Gims. Mmh. Donc tu débarques comme ça dans le rap ivoire. Et dans notre rap ivoire, il y a forcément quelqu'un qui te plaît bien, qui t'inspire. T'inspire ou il n'y a personne? Bah, bien sûr, les Kiff No Beat, c'est des grands frères qui nous ont tous inspirés. Forcément, lequel c'est en eux particulier? Qui nous ont donné le... Je ne peux pas vous choisir ça. Qui, Joshar, LG, Cheveux Roses. Joshar était bon, LG super bon en refrain. Elon super rapide, Didi c'est le gang du game, Blacka, moi j'étais fan de son style. Si je devais chercher un garçon, c'était Blacka. Voilà. C'est quoi, une déclaration d'amour? Non, il est marié, le père, je connais la science. Oh, et Elle, tu connais la science? On construit en bas des bâtiments. Non, c'est mon vieux père, y'a rien. Non, parce que j'aimais trop, il ressemblait trop à Lil Wayne en fait. Ouais. Sérieux? C'est bas. Lil Wayne, il est beau? Chacun aime la beauté qu'il voit. Chacun a sa Lil Wayne. Les tatouages, tout ça. C'est pas le gars tatoué de partout. Mais c'est pas peut-être la beauté. Il y a vraiment. C'est vraiment la dégaine, le mood qui dégageait et tout. Faisait vraiment plus les toi que les autres, quoi. Ah, d'accord, ok. En ce moment-là. Allez, là, ça lutte. Tout le monde est devenu frère. Mais on a tendance aussi, par contre, souvent à te confondre un peu avec Mosti. Ça vient d'où? C'est le style que vous avez en commun, le flow ou bien. Parce que beaucoup ont tendance à beaucoup vous confondre tous les deux. Mm-hmm. Bon, je pense que Mosti même. Je l'ai un peu influencé quand même. D'accord. Ah, tu as commencé avant elle? Ouais, d'accord. Ok. Quand même. À la base, c'est quelqu'un qui m'a plusieurs fois réitéré qu'elle aimait ma musique. Okay. Et moi, quand je l'ai vu sortir des sons, j'étais content. D'accord. J'étais fier, ça avait une nouvelle fraîcheur et tout. Donc, je pense que c'est de là qu'on nous confond un peu. Mais toi, d'où tu viens souvent par moments ces breaks? Parce qu'il y a des moments où on te sent plus un coup. Et après, en fait, tu disparaissais. Et tu réapparais. Parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que tu es dans le game, mais tu fais aussi beaucoup de temps mort en fait. La plupart de mes breaks, ça a été des pauses volontaires. Ok. Tu vois. Mmh. Par rapport à quoi? Par rapport aux études. Mmh. Par rapport aux études.
Mes parents, tu vois. La mère. Donc, tu vois, il y a le coup de pression. Ils sont vraiment à cheval. Donc, ils disent que non, ça, il faut que tu aies ça. Mm-hmm. Donc, il faut arrêter ça un peu. Mm-hmm. Et tout, et tout. Mais le dernier break, c'était vraiment involontaire. C'était mm-hmm. dû à la tumeur que j'avais. Oui, qui avait. À la maladie, mais bon. Oui, qui avait vraiment fait un grand bond sur les réseaux. Oui, parce qu'on s'est vraiment inquiété pour toi quand on a appris que. Voilà. Et aujourd'hui, où est-ce que la tumeur en est? Est-ce que c'est bon? C'est terminé? Oui, la tumeur a été complètement retirée. Super. De mon cœur. C'est vrai que je continue d'aller à l'hôpital, je continue de suivre certaines choses et tout ça. Mais voilà, je suis plus malade. C'est ouais, bon. Parce que franchement, tu as alarmé toute la nation. Non, je suis désolée. Je me souviens, il y a eu vraiment je me souviens que j'ai même partagé aussi sur ma page. Ouais, sur la page. Et même, on en a parlé même dans les Fafa ici. Mm-hmm. Tu as vraiment alarmé toute la nation. On a eu vraiment peur. Mais bon, grâce à Dieu, tu es là. Ah, notre Oprah est là. C'est voilà, notre Oprah. Oprah. En tout cas, on sait qu'on va tous partir, mais c'est pas le moment. Voilà. Hein. Voilà, pas du tout. Et on espère que tu vas nous donner beaucoup de. Voilà. De flow. Beaucoup de flow, beaucoup de punch dans. Oui, j'espère aussi. Parce que je me dis que. J'ai beaucoup de sang en réserve, il y a beaucoup de travail que j'ai gardé pour moi. Je me dis, ouais, après. Mm-hmm. Mais là, maintenant, avec ce qui s'est passé, j'ai compris que c'est pas toi qui décides de ta vie en réalité. Bon, tu peux partir d'un moment ou à un autre, mm-hmm. donc faut tout lâcher et après ça vient. Ça vient, ouais, c'est tout bête. Non, ça, c'est vraiment tout. C'est alors, bien en ce moment, je pense qu'il y a un petit clash entre Jojo le barbu et LG sur la toile. Je sais pas si tu es au courant. Jojo respecte les grands frères, il t'a dit ça toujours, je te parle. Si tu as mon message, LG, c'est un grand frère, faut le respecter. Ouais, il y a un petit clash, mais c'est même un petit clash. Hein, ça. Comment, c'est son grand frère en âge ou bien Nara qui voit? Jojo aussi. Pas de façon, musclé comme ça. Il est musclé et puis il est barbu. Hein. Il faut qu'on fasse ça. Eh bien, c'est bon. Seigneur. Jojo le barbu, il est plus triste. LG, son grand frère. Bon, il faut avouer que je l'ai dit. Il n'a pas fait le cahier. LG, c'est un grand frère. Il y a ça aussi. Je ne détiens pas vraiment les extraits de naissance des deux. C'est ça. Mais ce que je peux dire, c'est que Edja a commencé avant Jojo. Oui, donc dans le game. Grand frère dans la musique. Dans le game, c'est son devancier. C'est son grand frère en âge, là, ça reste à vérifier. Hein. Oui, c'est son devancier. Et il ne faut pas que Jojo lui mette aussi trop la pression parce que, voilà, chacun a ses phases. Si. Il y a des hauts, des bas, donc il faut comprendre pour qu'on te comprenne aussi. Mais certaines personnes disent que dans le groupe Kiff No Beat, on dit que LG vaut rien. Pas du tout. Quel est ton avis? LG est fort, il nous a fait danser. C'est juste que, comme j'ai dit, il y a des hauts et il y a des bas. Mm-hmm. Il a dansé tous les jours, c'est amusant, t'es amusant, ma chérie, tu viens, je t'amusais, dis-moi, tu connais. Attendez, arrêtez. Mais pourquoi Jojo le barbu s'attaque comme ça à lui tout le temps? Jojo veut le réveiller un peu. Est-ce que c'est la bonne manière de le réveiller en le clashant? Et pourquoi l'appeler de grand frère à petit frère, ils vont se parler? Quel grand frère? Jojo. Moi, je sais pas. En tout cas, bon, I'm sorry, I don't know what to say. Faut dire ce qu'il y a, parce qu'elle est arrivée dans l'anglais. Elle veut pas assumer. Vraiment, il faut éviter ça. Parce que moi, quand je parle un peu, on dit que je suis pas gentil. Donc bon, maintenant, okay, je bon, me calme. Qu'est-ce que tu penses de Fior de Bio? Pour toi, c'est un rappeur ou bien c'est quoi? Oh, ouais, Fior de Bio. Le Fior de Bio. En tout cas, c'est un artiste. C'est un quoi? C'est un artiste. Bon, c'est un artiste, mais est-ce que pour toi, c'est un rappeur, c'est un danseur de bébé ou mais c'est quoi? Bon, à partir du moment qu'il fait son jet, moi je pense que c'est un rappeur. S'il dit qu'il est un rappeur, c'est qu'il est. Il est, bon, il est artiste hip-hop, quoi. Il est artiste hip-hop? Ouais. Ben, il est venu nous trouver sur le plateau, il a dit qu'il fait du boom brat. C'est le bon chewing-gum, c'est le dada, puis c'est le moment, bon, c'est bon, le pliquette. Voilà, lui, c'est ce qu'il dit lui faire. Maintenant, on le classe dans cette génération de rap et voir. Bon, lui-même, là, il se déclasse dedans. Donc, on lui demande il un dans le truc, c'est le numéro 1, tout ça. Bon, on lui a dit, bon, il y a Dizzy B qui est là, qui est en pole position et tout. Il dit, mais tu perds le numéro 1 entre toi et puis tes petits frères de la maison. Voilà, donc, aussi, il a les réponses. Et lui, il ne va pas lui donner la pire. Alors, pour toi, aujourd'hui, le rap, il voit parmi les hommes, c'est qui le numéro 1? Oh. Faut dire les choses claires. Bon, en ce moment-là, je vais aller sur des chiffres. Oui. Okay. Je pense que Kiki Moteliba, qui a sorti un hit planétaire, Chingini, qui est plus streamé que Alpha Blondie, et Magic System, a la bonne place du moment. Pour l'instant, c'est lui qui a fait ce qu'il faut. C'est lui qui a un disque d'or et un disque de platine qu'aucun d'entre nous n'a. D'accord. Donc je pense qu'il faut lui envoyer le mérite. Bon, maintenant, mais et le petit coup là? Quel petit coup là? Pardon, je suis là. En fait, je vais donner Didi B. Didi B,
Bah, Didi, il a aussi sa place. Parce que vous savez, dans le rap, tout le monde est le chef. Ben, c'est ça. Dans le rap, tout le monde est le chef. Donc, moi, pour moi, il est quand même celui-là qui arrive à mettre le rap à la page. C'est-à-dire qu'il fait des bails, qui réveille. Du rap, qui réveille le game et tout ça. Il tape pour que ça nous rappelle un peu quelqu'un. Un peu. Oui, Arafat, pour moi, Didi, c'est clairement le Arafat voilà, donc, du rap ivoire. Hein. Il faut donner à César. C'est lui qui tire le mouvement, ça, c'est clair. Je comprends pourquoi on m'appelle le César. Ok, on peut continuer. Donc, non, mais c'est une parenthèse, voilà. Alors, parmi les femmes, pour toi, c'est qui la numéro 1? C'est Nash. Non, Nash, c'est pas. Non, Nash, c'est pas votre génération. Nash, yeah. Nash, même qui a commencé à chanter, nous-mêmes, la même. On ne savait pas où on s'est baladé. Nash, c'est la madre. Nash, nous-mêmes, on te retire du game. C'est bon, toi, tu as le trône, tu as la couronne, tu es la vieille mère. On parle de la nouvelle génération. Toujours. La nouvelle génération. C'est moi? Ah, la charité vient d'ordonner pour par soi-même. Tu as bien fait. Mais Mosti vient te déranger un peu de temps en temps parce que, bon, Mosti et Oprah, il n'y a pas beaucoup de différence entre vous deux. C'est pour ça qu'on a tendance à vous confondre. Mais Fan, on sortit de la télé là. Elles n'ont pas sorti. Elles n'ont pas sorti. C'est ça que nous avons dit. Entre Mosti et Oprah là, on ne voit pas beaucoup de différence. C'est plus fort que Mosti. Bon, moi je pense qu'il faut poser la question à Mosti. Non, elle va venir répondre. Mais comme tu es là aujourd'hui, c'est toi qui es là. Réponds donc à la question. Tu es plus forte que Mosti. Toi, tu es plus forte que Mosti. Mosti a son style. Elle a le flow. Elle a le flow. Elle dégaine. Elle est fort. Mosti, développe. Oui, mais réponds à la question. Qui a envie de quel vote? Tu veux qu'elle écrit quoi là? Non, tu ne vas rien créer. Tu dis ce que tu penses. Regarde. Moi, quand il Oprah là. Mais je dis moi, Oprah. Oui, toi. Quand il parle. C'est, ça c'est gâte, on disait là parler, plutôt que si pas là, il était malade. Il y avait rap, des femmes encore des fois ici. Pas vraiment. Je suis venu, non. J'ai fait un seul plateau télé. Il n'y a pas rap des femmes. Donc c'est, en fait c'est la Didibé des femmes. Bon, donc, je suis la Daichi du rap. La Daichi. Même les garçons, même les vieux pères, ils savent. Même eux, ils me donnent du mérite. Donc ça veut dire que quelque part là, je travaille. Ouais. Voilà. J'étais malade, il y avait une tumeur au cœur, dans mes poumons. Mais malgré ça, voici le son que j'ai fait. J'ai gagné 5 prix partout en Afrique. J'ai fait des tournées et tout ça. Rien qu'en une année où j'ai vraiment fini les études. D'accord. Et maman m'a dit, vas-y, lance-toi. Okay. Et cette même année, 2022 a suivi, je devais refaire un son, repartir en tournée. Je suis tombé malade. Voilà, donc, quand même quelque part, quelqu'un qui est malade, qui fait ça. Donc les rappeuses, ce que Oprah veut vous dire, c'est que, dans sa c'est que même dans sa maladie, là, elle vous fume. Elle vous fume. Voilà. C'est ce que ça sous-entend. Non, Oprah, on va se dire les choses telles qu'elles sont. C'est la même chose qui a parlé. Non, je dis ce que c'est tu as dit là. En fait, tu as parlé de façon voilée. Moi, je dis haut et fort ce que tu as dit tout bas. Vous pleurez. Ah. Donc, pour éviter que vous pleurez, c'est la même chose qui a dit. Il n'a rien dit. Hein? Ne pleurez pas. J'ai fait un bref résumé de ce qu'elle a dit en fait. Mais c'est ça, c'est ce que ça sous-entend. Quand je ne suis pas là, le game est mort. Mais une fois que je réapparais, tout le monde sort. C'est comme si tu étais au-dessus de la mêlée. Voilà. Comme tu l'as dit, tu es la Daichi du rap ivoire féminin. Donc après toi, c'est la poussière. En gros, c'est ce que ça veut dire. Bon, on attend que Mosti vienne répondre à après ça. Après moi, il y a des rappeuses qui sont. Après toi, mais après toi, comment après toi? Pourquoi tu ne dis pas pendant moi? Et tu dis après moi. Ça veut dire que pour toi, elles sont que dalle, elles ne valent rien, n'ont pas ton poids, n'ont pas ton calibre. Quand je suis là, tu vois, quand il y a des gens qui rentrent dans une pièce là, il y a la pression en façon. Donc quand tu rentres dans une pièce, il y a la pression en même temps. C'est-à-dire que je peux poser à toi comme ça, mais toi, tu l'as tapé, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Souvent on parle, on discute, mais sur les sons, on peut rien. Parce que c'est au pas. Tu penses que tu arrives à la faire plus enrichir? Regarde ce qu'elles font sur les réseaux. Elles font quoi? On finit de on nous donne un micro sur un plateau de télé. Tellement je ne voulais même pas essayer, je me connais. Donc je décide moi-même ou pas de baïonner mon rap quand je suis à la télé avec mes consoeurs. Je baïonne mon rap. Tu baïonnes ton rap pour te mettre à leur niveau. Oui, vieux. Dis ça. Franchement, c'est ce que je pense. Je suis désolé si vous allez me trouver. Un peu gonflé, excusez-moi, comment il veut que je discute, je discute. Non, oui, mais on est là pour le ça. Père, je baïonne mon rap, ton rap, je baïonne mes textes, je baïonne mon flow, je descends à leur niveau. À leur niveau.
Donc tu descends dans la poubelle. Adama. Je n'ai pas dit qu'elles sont dans la poubelle. Non. Je n'ai pas dit. Quand tu dis que tu te mets au niveau des gens qui n'ont pas ton niveau. Je t'explique. Quand tu baillonnes, hein, tu casses ton flow. Tu fais ça qui c'est quoi? Ça qui est en train de disparaître normal. Oui, je... Elles sont trop petites pour toi, tu vois. Là où elles sont parties. Si tu te mets trop en haut, ah, l'écart est trop. Pour éviter de. Parce que vous savez, la nourriture. La... Il faut que un artiste vive et se nourrisse de son art. Donc évitez de couper les vives aux autres. Je descends à leur niveau en mangeant un peu nous tous. Donc ça veut dire que si tu veux donner tout ce que tu as, c'est-à-dire, mais c'est ce que j'ai dit, tu vas les fumer. Tu vas complètement les fumer, c'est ça. C'est pas ce qu'elle dit. Il dit je descends mon niveau, je baillonne mon rap. Tu baillonnes ton rap. Ouais. Pour que tout le monde puisse bénéficier d'une certaine lumière, d'une certaine lucarne. Sinon, si tu es trop élevé. Elles vont plus, on va plus les voir. Mais on ne veut pas me reconnaître cela. Qui ne veut pas te reconnaître cela? Mais les rappeuses, j'étais malade. Mm-hmm. Les rappeurs, il y a des Elon qui font nos beats. Ils m'appellent. Nash, elle m'appelle. Les tatas comme Dobé, Niaoré, les Yudé, Siro. Tout ça, j'en passe même tellement. Eux, ils m'appellent pour prendre de mes nouvelles. Mais mes propres collègues, on va dire qu'on est promotionnel, tout ça, c'est nous tous, on doit se donner la main pour avancer. D'accord. Mais j'ai vu personne, à part des posts hypocrites qu'elles ont fait pour avoir des likes, parce que sans ça, il n'y a pas de likes. Donc tu penses que. Il faut... Non, j'y vais. Donc tu penses que elles étaient contentes de ta situation. Mais. Donc si tu mourais, je veux vous ça allait leur faire plaisir. Je vais vous dire toi. Quelque chose. C'est que. Il y en a une, sa mère appelle un de mes grands frères pour lui dire que elle est guérie. Aïe, mais sa maladie n'a pas duré. Elle a su qu'elle peut revenir. Le gars était tellement choqué, il appelle ma mère à son tour. Que, je viens de recevoir un appel de la mère d'une des collègues d'Oprah. Que voilà l'appel. Que c'est ce qu'elle me dit, qu'elle avait l'air bizarre. Et en ce moment-là, j'étais en train d'enregistrer. Élément, c'est quoi la science? J'ai voulu faire un petit coupé décalé parce que je sortais de l'hôpital. Donc je voulais me dire, ouf, un peu là. Pour t'échauffer un peu. Tranquille, tu vois. Le flow là. Le père, tu vois, non. Moi, je descends. Vas-y, si la fille, elle fait ça sur un plateau. Qui va me suivre? C'est fini. Donc j'évite. Tu évites. Oui, mais continue l'affaire de l'appel. Hein. Oui, donc on appelle le vieux père en question. Je pense qu'elle était son nom quand même. Donc il appelle ma maman. Qui même? Le vieux père. Le vieux père. Donc il appelle ma mère. Parce que, attends, maman. Ça va comment c'est bon, vraiment. Bon, dis doucement. Oh, je suis le chat. Non, là, mais il n'a pas dit ça. Ah, c'est quelle histoire là, tu ne peux pas là. Et bon, mais. Moi, il n'y a pas de demi-béré. C'est le béré ou c'est pas ça? Elle veut me frapper. Non, il n'est pas aimé. Mais attends, tu es dans la République nationale du Bénin. Je dis, c'est où on meurt pas? Quand c'est gâteau, on assume tout son face. C'est au pays des gâtés. Gâtés. Tiens, donc, nous les animateurs de Farafon, on nous a fait quoi? Du coup. Pourtant, c'est chez nous ici, tous les papous sont au papou. Le papou. Non, il appelle à ma mère. Donc, ma mère qui aussi. Même qui? Sur le coup. Oprah, c'est qui? Et Diabon. Le nom commence à venir dans mon esprit. On dirait je ça. Suis. Ah. Je suis. Je suis. Attends, sa taille. Il est court bien, les grands. Il est bien grand. Tu as connu, c'est fini, on avance. Hein? T'inquiète, moi, le nom est venu. Il fait couronne, non? Mais Dom y a dit. Couronne. C'est lui. Couronne. Pardonné. Continue. Donc, déjà, il y a ça. Et les rappeuses qui m'ont appelé, comme vous dites, on met la main là, à côté. Il y a eu Annie Chris. D'accord. Et la petite Kidi. Kidi, ok. Les autres, comme je répète, c'était des postes. Hypocrite. Moi aussi, avec poste aussi. Sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas. Moi, après, c'était beaucoup, vraiment beaucoup de postes. D'accord. Donc, je n'ai pas pu tout voir. Mais vraiment, il y a certaines personnes, je voulais voir leurs postes. Donc, je suis allée, j'ai regardé. Mais c'était des postes hypocrites. Vous ne pouvez pas dire que oui, on est contente que tu sois revenue, que Dieu merci, tu es sauvée, tout ça. On arrive sur un plateau, vous dites que non, moi, je suis venue vous descendre sur le plateau. Pas du tout. Je ne voulais même pas rapper. Je ne voulais même pas prendre le micro, excepté pour faire. Le live de ma chanson promotionnelle. Mais à un moment, on nous met une instru. Une instru, là, même là, c'est même pas cette instru. On dit, allez, en tout cas, c'était un old school. Un old school en impro. Okay. On nous met le beat, l'orchestre c'est joue. C'est pas le truc de. Comment il s'appelle? L'orchestre joue. California Love. Ouais, non, c'est California Love. Ah, ouais. De tout pareil. C'est tout qu'on nous met, tu vois. Moi, quand j'ai donné le beat, j'ai dit, ouais, ils ont fait fort. Donc là, maintenant,
en tant que rappeur. Okay. Je ne peux pas fuir le beat. Ben c'est oui. clair. Même un DJ en main. Il ne peut pas, il a oublié. Il peut pas fuir le beat. Donc je suis obligé de rentrer. Ouais, depuis là, on est en direct. Les gens nous regardent. Il y a d'autres qui se regardent. Ah, on va fêter ça, non? Genre comme si on a donné un coup de récréation face. Alors qu'on est dans une nation, un mais pays respecté mal, musicalement comme la Côte d'Ivoire. On doit être professionnel sur le plateau. Donc, moi je dis, ok, bon, d'accord, comme personne n'y va, je vais y aller. Je fais 30 secondes, le père. Et j'arrête. Et c'est-à-dire que je m'arrête. Je dis, non, même je m'arrête ici. Ouais. On me fusille. Qui? Les rappeuses me fusillent. Il y a d'autres même, elles vont appeler Jésus. Elles vont appeler Jésus. Oh Jésus, voilà ce que on me fait. Toi tu es venu rapper, non? T'as pas été rappé. Il n'y a pas Jésus dans ça. Ah, mais il y a des choses. Non. Non, appelez Jésus. Ça collègue, c'est pas bien. Il y a une aussi, comme elle n'a pas compris, c'est-à-dire que... Le niveau intellectuel du freestyle était assez élevé pour elle. D'accord. Donc elle rentre maintenant à la maison. Son oncle ou sa tante va lui expliquer que ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Elle prend son téléphone et puis elle dit que on est parti faire émission. Gargamel dit que. Qui est Gargamel? Mon opéra Gargamel. Mais attends, mais il y a beaucoup de gens. Gargamel! Ça tire à balles réelles. Hein. Ça tire à balles réelles. Gargamel n'est pas là, tu n'as pas de carrière. Merci Gargamel. Il faut lui demander à Azrael. Azrael, c'est qui? C'est pas elle? I don't know who is it. Tu es obligé de vivre au rythme de Gargamel. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est puis tu lui dis, mais exactement, Azrael, tu me suis ou pas? Ah ben voilà. Tranquillement. T'es dans le game ou pas, Azra? Sans Gargamel, you can't live. Il n'y a pas c'est de règle. Clair. Bon. Dis non, j'ai adressé une méchante phrase d'accord. à une de mes petites sœurs qui vient d'arriver. Je tiens à dire sur ce plateau que moi, Oprah et toutes les rappeuses que vous voyez là, on est dans la même promotion. Je n'ai pas 5 ans de plus que quelqu'un là-bas. D'accord. Comprenez bien que quelqu'un qui prend son travail au sérieux, il est pris au sérieux. C'est parce qu'il me respecte qu'elle pense qu'il peut les accoucher. Alors qu'on a le même âge là. Donc, retenez ça. Ceux qui pensent que oui, ils ont fait les extraits de naissance des gens ou quoi que ce soit. Il y a pas mon enfant là-bas. Donc, chacun prend son travail au sérieux. Maintenant, on me dit oui, je viens, j'ai envoyé une frappe à une jeune rappeuse qui vient d'arriver, tout ça. Elle s'appelle mais comment? Le père, il se fatigue, il fait la publicité. Elle est donnée. Donc, quand tu te mets une chanson populaire avec tu es jeune, le rap, ils vont en train d'impacter la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, sans Akmi, sans Ganos, on n'est pas fatigué. On n'a pas besoin d'une jeunesse qui s'en va. On a besoin d'une jeunesse vive. On a besoin d'une jeunesse gagnante. Donc, comme c'est ma petite sœur, comme on veut dire, je lui ai dit, ah, il ne faut pas s'en mêler. J'ai insulté quelqu'un. Bon, sa chanson aussi, Sama Akmi, ça prend. C'est chic le père, je suis d'accord. Donc elle s'est dit que peut-être que tu tises par rapport au fait que sa chanson prend. Elle n'est pas un peu jalouse. Je donne un conseil, le père. Oui, mais ton conseil là, elle peut voir ça comme si du genre, comme son morceau mousse, toi, parce ça fait mal. Parce qu'elle est ta concurrente en fait. Oui. Maman Chola, tu veux que ton enfant s'amasse? Non. Papa défali. Oui. Ton enfant la casse s'amasse. Non. Même si c'est chic. Non, je veux pas. Non, il pense qu'on a fini. Mais donc, et dans tous les rap, ils voient les jeunes qui chantent aussi, ils chantent des. Il y a beaucoup qui chantent ça aussi. Moi, mon côté là, c'est rap, ils voient féminin. Donc, c'est là. Donc, ils n'ont qu'à me voir comme elle commandante là-bas. Si tu veux dérailler, moi, tu recadres. D'accord. C'est pas assez pour gâter les jeunes filles, c'est pas possible. Nous, notre génération, Sans moi, ça a dit quoi même en fait. Des jeunes filles concentrées, des jeunes filles qui ont envie d'aller. Ah, fumer la veuve. D'accord. Ah, c'est ce qu'elle conseille aux gens dans sa chanson. Ah ouais? C'est le refrain de la chanson, c'est pas un refrain, ça vient 3 fois là, mais. Ah non. Ça, c'est une propagande malsaine pour la jeunesse. Ah non. Tu vois? Et moi, ce que j'ai dit, elle vient d'arriver. Donc, si tu viens d'arriver, si on te conseille comme ça, ne va pas là-bas. Parce que si tu vas là-bas, c'est pas bon. Bosser. Mais est-ce que la dépassion des mœurs qui court, je dirais cette dépassion des mœurs, est-ce qu'elle n'est pas elle-même vivement acceptée par tous ces jeunes aussi? Parce que bah ouais, on dirait que, bon, que aujourd'hui on est dans les chansons, il y a des thèmes qui sont vraiment dégradants quand même. Hein? Ouais. Le père, toi, à ton temps, tu chantais la luxure. Oui, non, j'en ai, oui, c'est vrai, le mais pour avoir la luxure, il faut faire comment?
Faut travailler. Ouais. C'était un bon exemple. Ouais. N'est-ce pas? C'était une source de motivation, on peut dire. Voilà. Donc pourquoi on ne se motive pas aussi? Et puis toi, ce que tu chantes, c'est pas quelque chose qui pouvait tuer quelqu'un? Mais jamais. Mais là, ça tue, hein, on fait comment? Bon, ok, là, tu marques un point. On ne conseille pas les cadavres. Moi, je viens de quelque part. Je ne veux pas laisser les gens partir si tôt. Effectivement. Donc toi, dans ton combat, tu te dis que c'est des choses qui peuvent déjà faire partie de la jeunesse assez tôt. Donc il faut recadrer les choses. Mais en général, hein, tu as parlé de rap et voix féminin. C'était même pas volontaire. C'est un beat improvisé. Parfois, dis ce que tu as dans la tête. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as fait sur le beat. Donc, voilà. Pourquoi sur le plateau, quelqu'un devait se retourner pour me dire qu'il est Gargamel. Oui. Tu n'as pas aimé. Ça fait deux plateaux. Elle n'a pas supporté. Ça fait deux plateaux. Je te parle, tu t'en vas chez toi à la maison pour me répondre. Et quand elle te voit, elle se comporte comment? Quand je suis dans une loge, pour rentrer là-bas, c'est difficile. Donc elle n'assume pas. Donc je veux qu'elle vienne. Moi j'aime ça. Tu parles devant moi comme ça. On peut continuer. Bon, maintenant, Oprah, si la personne est devant toi, Fafa, elle te dit bon, Gargamel, puis à toi, tu vas faire quoi? Elle ne peut pas. Non, mais si elle fait. Même dans un rêve. Non, toi tu te dis qu'elle ne peut pas. Maintenant, moi je te demande si elle ose le faire. Qu'est-ce que toi, Oprah, comment tu réagirais? Il y a déjà la carrière, se concentrer sa carrière. Que tu sais, ce genre de choses. Tu n'as pas la bouddhée. C'est pas quelque chose de chaveux. Tu vas t'en faire. Oui, tu ressens quelqu'un qui aime la bagarre. C'est moi, mais c'est pas ça. C'est ça, mais fait qu'il aime plusieurs. Non, le père aussi. Je suis trop calme. Bah, tu es un faux calme en fait. Pourquoi? Non, je suis pas dans tes propos. On sent que tu es prête, s'il y a quelque chose là, tu es prête à forcer en même temps. Le père, tu sais. Moi, je pense que, comme je disais, d'accord. À un moment, on avait 17 ans, 15 ans, mais quand on est en train de devenir des adultes confirmés comme ça, okay. Faut grandir, faut changer les mentalités. Moi, ce que j'ai regretté dans cet acte-là, c'est ce genre de bassesse-là, parce qu'on n'est plus au stade de. Où on rappe dans notre quartier et puis les gens nous encouragent. On est devenu des. C'est-à-dire qu'on est international. Il n'y a pas que des Ivoiriens qui. Moi, par exemple, il n'y a pas que des Ivoiriens qui me suivent, il y a beaucoup de gens. Je pense que c'est pareil de tous les côtés, grâce à l'essor que le rap et voix féminine est en train de prendre. Donc c'est vraiment bas, quoi. Et puis on rappe, là, on répond par les sons, par les freestyles. C'est au studio. Tu vas venir t'asseoir derrière ton téléphone. Ça, c'est les brouteurs qui font ça. Mais à travers. Ah, brouteur a pris Valpé. Eh, pardonnez les amis. Ah non, c'est déjà dit. Ce qui est dit, est dit. Alors, Choula, tu as décidé d'être le baromètre chez les filles dans le rap ivoire. Donc, qu'est-ce que tu prévois là, bientôt? Bon, déjà, étant donné qu'on a envoyé un mouvement dans le rap ivoire, qui est un peu le Maïmouna. Ouais, le Maïmouna l'a remonté. Voilà. Les grandes rappeuses, les Missy Elliott là, ouais. Elles n'ont pas pu faire ça. Parce que c'est un peu difficile. D'accord. Je les comprends, c'est pas à leur niveau. Donc, j'ai décidé de faire au moins ça. La seule représentante du game féminin a au moins à faire. Donc, ça s'appelle Amina. Ça va sortir très vite. Très vite. Sur pas mal de télévisions africaines, grâce à Dieu. Donc, je vais vous inviter à regarder ce clip là. D'accord. Suite à ça. Je vais pas quitter le rap ivoire, mais je vais donner plus de maturité à ma musique. Juste un peu quoi. Il ne faut pas avoir trop peur. C'est-à-dire que si celle qui étudie bien, elle peut suivre. Celle qui révise bien les leçons, elle peut essayer de suivre. Donc à côté, vous travaillez. Maintenant, les Azraël, est-ce qu'elles pourront suivre? En tout cas, Azraël, elle ne peut pas. Mais il y a d'autres dedans, elles peuvent. Les filles, je sais qu'il y a confiance en vous. Ne suivez pas Azraël. Hein. Mais elle est âgée. C'est qui même? Ah, si anglais. Elle répond pas. C'est ça, non? Tu vois, aussi anglais. Ou bien je me suis trompée. Tu voulais dire quoi? Elle n'est pas intelligente. Elle est bête. Oui. C'est ce que tu as dit. Elle ne l'écoutez pas. Qui a mis parole de ça là dans la musique? La musique là, c'est ma grand-mère. Elle s'appelle Marida. Sérieux? La maman de maman. Là, je comprends pourquoi les filles là, tu les fuses comme ça. Faut pas faire les trucs comme ça. Ah, tonton, j'ai pas frustré quelqu'un. C'est faux. C'est trop fort. On peut faire ça. Que Azraël aussi anglais. Azraël aussi anglais. Donc elle ne peut pas suivre ça. Elle va dire que c'est pas bon. Alors que la musique là, ça évolue, elle, le temps. C'est ça. Il faut évoluer. La mère Chola, je l'ai connue depuis très longtemps. Elle a perduré. Le père défalait, il le gardait dans les journaux comme ma maman achetait tout. Mais il n'y a pas les autres sociaux. Hein. Non, je voulais ça pour regarder. C'est là que moi, là, j'ai bien vu. Mais ils sont toujours là. Ouais. Donc la musique là,
n'écoutez pas. C'est quelque chose, c'est une affaire d'endurance. D'accord. Mais moi, je veux savoir, dans le rap ivoire en général, hein, que ce soit pour les femmes et les hommes, on a tendance à entendre des chansons qui aujourd'hui parlent de... C-U-L, voilà, je veux pas dire. Couilles, voilà, non seulement le thème de la chanson tourne autour de ça, les termes de la chanson, c'est ça, les refrains, c'est ça. C'est pas gênant pour... Est-ce que vous ne vous dites pas que vous êtes en train d'abêtir ou de pervertir la génération? Moi, j'aime ça. Non, je dis pas ton avis. Je dis pas que tu chantes ça, mais en général, il y a beaucoup de gens, même on voit aujourd'hui des gens du coupé décalé très âgés qui le font. Tonton Benoît a pris balle, c'est Chola qui a dit. Je n'ai pas dit son nom. Adama. C'est elle, tonton. Il n'a pas le déposer ici. Directement. Donc, ça ne vous dérange pas? Quand tu ça ne te dérange pas un peu, toi? Ça me dérange. Effectivement, ça me dérange. Parce que si tu parles de sa mante, il te dérange. Donc, oui, bien sûr que ça me dérange. Bien sûr. C'est pour ça que dans. Je vais faire un peu de spoiling. Dans mon mouvement, Amina. Tu as fait un peu de quoi? De spoiling. Mais c'est ça qui fait que les filles, les femmes. Arrête ça. je vais dévoiler quelques idées de mon clip. Ouais. C'est pour ça le mouvement de mon clip. Dans mon clip, là, on dirait qu'il faut repartir vers l'école. Le clip de Amina se déroule. C'est nous sommes dans l'esprit d'une école. D'une école, ok. Voilà, tout le monde. Non, les carreaux vont sortir, les kakis. Pas de carreaux, mais le bleu blanc. Le bleu blanc. Étant donné que je suis une femme. Voilà. Voilà, sera à l'honneur. Ok. Voilà, donc Amina. Comme ça. Tu te dis pas que ça peut inspirer des personnes qui sont, qui, enfin, tes concurrentes, entre autres Gargamel, enfin, pardon, Azrael. Et puis, je ne sais pas, Ganganou, que Drandran. Tu penses pas que ça peut les inspirer? Et là, je trouve. Oui, là, je trouve le village de Soutilé, par exemple. Les sept nains. Voilà. Mais quand on a ouvert l'émission, le père des Fallais, il a commencé par une question. Toi et puis telle personne, on vous confond. En fait, depuis la base, c'est inspiré par moi. Attends, ce ne serait pas Azrael. La racine, là, c'est moi. Donc, forcément, ils vont me tricher. Mais, il y a des choses pour faire. Il faut la matière grise. Faut laisser les faux ongles. Souvent, tu enlèves tes faux ongles, tu développes. Ça marche. Faux ongles a pris balle perdue là-bas. Non, mais c'est joli. Pour toi, c'est la vraie faux ongle. Mais décidément, la faux ongle. Je pense que tu es venu pour nous attaquer. Arrête. À chaque fois qu'on prend un chien plateau. On va parler des perruques. La mère, perruque là, si tu as vu. C'est le bécon. Adam. Pas la même vie. Pas la même catégorie. Il faut jeter ses sentiments, je vais séparer en faisant du bruit. Égalité, il n'y en a pas du tout. Le game agonise parce que j'étouffe. La concurrence demande des selfies. Dans loin d'équipage, c'est tous des fous. Hein? Votre chasse à l'homme, elle est obsolète. J'ai tiré avant que vous dites soleil. À ce qui pour près, elle est insolente. T'appelles ça flou, c'est quand j'ai sommeil. Sapé de la tête aux pieds. Rakata punta, j'ai tué. La reine pleura, elle a plié. Elles ont les yeux écarquillés. Le trône est à moi, vous savez. Arrêtez les bails du savon. C'est Dieu qui donne Wendja Wendé. Trop jaloux devient empire. Yeah! Super. Non, le peu même qu'on a entendu, c'est déjà très très bien. Oui, tu as dit un truc dedans là, tu as dit arrêter de faire quoi, savon, en fait quoi. Eh, ça, non, ça c'est même. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent. Big up au PDG Pierrot, big up à la grande famille Kangala le berger, Ange Bleu le cultivateur. Sans oublier la boutique de luxe chez Kra, certifiée. Voilà, Franck Mian, le jeune industriel. Happy birthday à toi. Un an de plus, ça s'est fait. Grâce, bonheur, santé, longévité à toi, Franck Mian, un an de plus. Merci aussi à mon frère qui me suit depuis tout le temps, le berger Kangala. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent. Alors, n'oubliez pas, le S-Club est ouvert, restaurant lounge, ouvert tous les jours du lundi jusqu'au dimanche pour votre plus grand plaisir avec des mets succulents. On n'est pas loin du côté de la 7e tranche. Passez nous faire un coucou là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On est ensemble. Fafa, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à Soko, William Santiago et Stéphane Aka. Et surtout, visitez la page Diva Glam Collection, créateur de vêtements. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Surtout, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.